Et salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online pour vous présenter une toute nouvelle tenue modée sans coda triard, rouge et blanc tout simplement. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues. Le lien du serveur sera en description. Une fois ceci dit, revenons tout simplement à la tenue. Pour faire cette tenue, vous allez avoir besoin de l'activité profil bas. Je vous laisse le lien de l'activité en description. Vous devez l'ajouter en favori à travers le Social Club. Vous allez redémarrer votre jeu et vous l'aurez en favori. Il va aussi vous falloir l'activité plus à de braquage rouge. Je vous laisse tous les liens en description. Il va aussi falloir être assez sans invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs. Ensuite, vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements le plus proche de vous. Pour ma part, c'est celle-là. Une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt pour la tenue. Du coup, let's go, c'est parti, les amis. Allez, hop, une fois prêt comme moi, on va entrer au magasin de vêtements. On va se diriger au niveau des pantalons. On va faire la flèche de droite et on va aller dans la catégorie pantalon de sport. Et on va équiper le jogging ajusté blanc 4606. Une fois ceci équipé, on va ensuite se diriger au niveau des hauts. Vous allez faire la flèche de droite et vous allez dans la catégorie des suites à capuche. Et dans cette catégorie, on va équiper le suite à capuche au rouge 78 sur 87. Une fois l'avoir équipé, on va rester au niveau des hauts. On va aller dans la catégorie t-shirt de designer. Et dans cette catégorie-là, vous allez équiper le t-shirt à motif noir 58 sur 68. Une fois l'avoir équipé, vous allez vous diriger au niveau des chaussures. Vous allez faire la flèche droite. Vous allez dans la catégorie des chaussures de guerre d'arène. Et dans cette catégorie-là, vous allez descendre tout en bas. Vous allez équiper les lumineuses rouges. C'est les 33. 48. Une fois l'avoir équipé, vous allez ensuite vous diriger au niveau des accessoires. Une fois arrivé, vous allez faire la flèche de droite et vous allez dans la catégorie des gants. Et dans la catégorie des gants, vous allez équiper tout simplement les gants en coton blanc 53 sur 62. Une fois tout ceci équipé, vous allez ensuite vous diriger au niveau de la caissière. Vous allez faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder votre tenue dans un emplacement. Une fois le chargement terminé, vous allez rester au niveau des tenues. Vous allez dans la catégorie tenue braquage combinaison. Vous allez équiper entre les quatre dernières tenues. Pour ma part, je prends la tenue scientifique et on va se diriger vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, vous allez vous placer comme moi. Vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite. Votre jeu va s'arrêter et son masque va se retirer. Vous allez faire pavé tactile, vous allez sur style tenue. Vous allez remettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements. Ensuite, vous allez vous éloigner de la longue vue et vous aurez le masque sur la tenue. Une fois la manipulation terminée, on va tout simplement se rendre à la munition. Ensuite, on va entrer, on va au niveau des vêtements. On fait la flèche droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Très important de sauvegarder la tenue au premier emplacement pour pouvoir faire le bug. Une fois la sauvegarde terminée, on va faire option en ligne, activité, jeu, activité créée par Star, mission. On va lancer un travail de titan. On va confirmer les paramètres, lancer la mission en solo. Une fois dans la mission, un travail de titan, on va tout simplement avoir le torse invisible. Commence le gameplay. Une fois la manipulation terminée, on va tout simplement faire la flèche droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Une fois la sauvegarde de la tenue au premier emplacement terminée, vous allez ouvrir le téléphone et quitter l'activité. Vous aurez ensuite un chargement et vous allez respawn en session avec la tenue. Une fois votre spawn, on va retourner à la munition. On va au niveau des hauts, c'est juste à gauche. Vous allez faire la flèche droite. Vous allez dans la catégorie des gilets de braquage et vous allez équiper le gilet de braquage furtif 75 sur 75. Une fois l'avoir équipé, vous allez tout simplement lancer l'activité profil bas. Je vous ai laissé le lien de l'activité en description. Vous aurez juste à l'ajouter en favori. Ensuite, vous allez dans les activités favoris. Vous allez dans mission et vous allez lancer votre activité profil bas. Dans les paramètres de l'activité vêtements, vous allez mettre tenue de joueur. Et vous allez inviter un ami et lancer la mission.
Du coup, on va lancer et on va spawn ici. Une fois ici, vous allez faire la flèche de droite et vous allez avoir cette tenue-là. Vous allez vous mettre prêt et vous allez skip la cinématique tout simplement en appuyant sur X. Une fois dans la mission profil bas, vous allez tout simplement ouvrir le téléphone et vous allez quitter l'activité commence le gameplay. Une fois l'avoir fait, vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session avec la tenue avec le gilet de braquage furtif. Vous aurez juste à vous diriger vers un véhicule de PNJ ou un véhicule personnel. Ensuite, vous allez vous inscrire en tant que Secure Reserve, commence le gameplay. Une fois ceci fait, vous allez monter dans le véhicule. Vous allez faire pavé tactile et vous allez sur Secure Reserve gérer l'organisation style. Vous allez faire une fois la flèche de droite pour mettre une tenue de PDG et une fois la flèche de gauche pour mettre aucun. Vous allez ensuite faire triangle pour descendre du véhicule et boum, vous allez avoir le gilet de braquage qui va se transférer sur votre suite à capuche, commence le gameplay. Et vous avez terminé la petite manipulation. On va se rendre tout simplement au magasin de masques et on va faire la flèche de droite au niveau des chapeaux. On va aller dans la catégorie des casques et on va équiper le casque de chantier blanc. Une fois l'avoir équipé, vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue avec le casque de chantier blanc dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, vous allez au niveau des masques, vous faites la flèche de droite, vous allez descendre dans la catégorie crime, ce qu'on descend. Et dans la catégorie crime, vous allez acheter le t-shirt de Bigness rouge. Du coup, c'est celle-là. C'est le 15-614. Une fois l'avoir équipé, vous allez au niveau de la longue-vue. Une fois arrivé, vous allez vous placer comme moi. Vous allez courir vers la longue-vue et spammer la flèche de droite. Votre joueur va s'arrêter et son masque va se retirer. Vous allez pouvoir faire pavé tactile. Vous allez ce style tenue. Vous allez remettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de masques avec le casque de chantier blanc. Ensuite, vous allez vous éloigner et vous aurez le t-shirt business blanc bugué avec le casque de chantier. Une fois ceci fait, on va retourner au magasin de masques et on va faire pavé tactile style parachute. On va équiper un sac harnais, n'importe laquelle. Ensuite, vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement avec le sac harnais. C'est juste pour transférer le sac de braquage rouge. Du coup, une fois la sauvegarde terminée, vous allez lancer l'activité pour récupérer le sac de braquage rouge. Je vous ai laissé le lien de l'activité en description. Ou si vous avez déjà une tenue qui possède le sac de braquage, comme moi sur le gameplay, vous allez juste l'équiper. Ensuite, vous allez prendre de la hauteur avec votre oppresseur pour pouvoir la transférer. Du coup, on prend de l'altitude. Une fois suffisamment en hauteur, vous allez vous placer face au magasin de masques. Du coup, on va retourner là au oppresseur. On va se placer face au magasin de masques. Vous allez ensuite sauter de votre oppresseur. Vous allez ouvrir le parachute. Vous allez faire pavé tactile et vous allez ce style. Tenue, vous allez équiper la tenue que vous venez de sauvegarder. Ensuite, vous allez devoir vous écraser au niveau du magasin de masques. Il faut bien veiller à s'écraser au niveau du magasin de masques. Et dès que votre joueur se relève, vous poussez le joystick vers les vêtements et vous spammez la flèche de droite vers les masques. Désolé. Du coup, on veille à bien s'écraser au niveau du magasin. Et dès que notre joueur se relève, on spamme rapidement la flèche droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, vous avez réussi à faire la tenue modée sans codage tryhard blanc et rouge avec le sac de braquage rouge. J'espère que cette tenue vous aura plu. J'espère également que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous laisse sur ces gameplays. Sur ces images, c'était Aquatex. Allez, go la team. À la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao les amis.